sur ma chaîne Les Économies et Défis. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, c'est le bilan de la semaine 2 et le remplissage pour la semaine 3. Allez, on va voir ce qu'on a pu sauver. Alors en monnaie, il me reste 2,90€ plus ce que j'ai dans mon petit pot. J'en ai quelques-unes. Hop. Ensuite, en alimentation, j'avais 130€. Et voilà, ça bloque. Et il me reste 25€. Voilà, bon, un billet de 5. Top. D'hiver, j'ai plus rien. Entretien et hygiène, il me reste 15€. Mais j'ai décidé, comme j'ai plus rien besoin, je vais prendre le billet de 5. Comme ça, je suis sûre de le mettre de côté. Hop. Parce que j'ai plus rien besoin en entretien et hygiène normalement. Promotion, il me reste 20€. Santé, il me reste 20€. Beauté, il me reste 12€ pour faire mes sourcils. Ben, j'y vais tout à l'heure. Vêtements, il me reste toujours mes 40€. Et le reste, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, du coup, ça me fait 30€. Et, bon, je compte pas les pièces. 30€ et... Enfin, 33€. Oui, 33€. Voilà pour les économies de cette semaine. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas pouvoir remplir tous mes défis. Déjà, je vais mettre mon 10€. Ça, c'est sûr. Dans mon défi des 10€. Ça, celui-là, je ne le laisse pas. Enfin, j'essaye. Hop. Voilà. Du coup, on en est à 280€. Je vais mettre un seul billet de 5 dans mon défi 5€. Alors du coup, 5€. On en est à 245€ pour les défis 5€. Défi 5€ et 10€, je le répète, c'est pour les vacances. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, ben ça, je peux toujours pas remplir. Celui-ci, je ne le fais pas cette semaine. Parce qu'il aurait fallu que je mette 20€. Je ne les ai pas. J'aurais pu mettre les 10€, mais je vais mettre dans mon défi Ramadan. Du coup, si je peux mettre les deux, la semaine prochaine, je mets 30€. Sinon, ben, je mettrai ou 20 ou 10. Et à la fin du mois, je verrai ce qu'il me reste pour pouvoir rattraper celui-ci. Voilà. Là, pareil, je le ferai dans la semaine, comme je fais d'habitude. Hein. Je les ai mis l'autre jour, la semaine dernière dans la semaine. Ensuite, les pièces. Alors, ce que j'ai fait, vous avez vu, avant, j'avais un défi 2 et 1 et 2€. Je mettais dans une enveloppe séparée. Je me suis dit, je vais tout rassembler dans mon défi des sachets. Alors, du coup, j'ai mis ce défi-là. Du coup, j'en suis à 12,72€. Et j'avais 20€ dans les pièces de 2€. Du coup, je les ai mis dans le défi des sachets qui me fait 40€, du coup, maintenant. J'ai rassemblé, parce que ça ne sert à rien d'avoir 25 défis. En plus, c'était les mêmes. Alors, on va faire les petites pièces tout de suite. Et après, on fera les petits défis, comme on est dans les défis là. Alors, un centime, j'en ai deux. Un, deux. J'ai dit, je vais tout rassembler. J'en ai marre d'avoir... Je n'avais pas l'intérêt, de toute façon, c'est la même chose. Deux centimes, j'en ai une. Hop. 5 centimes, j'en ai une. Ensuite, 10 centimes, j'en ai une aussi. 20 centimes, j'en ai deux. 50 centimes, j'en ai une. Et il me reste une de 2€. Voilà, hop, et hop, ça je mettrai dans ma tirelire et je ferai le total, et on fera, je vous ferai le point sur le total la semaine prochaine. Voilà pour ça, et je vais mettre les 15€ dans mon défi Ramadan pour cette semaine-là. J'ai préféré faire celui-ci, hop. Voilà. Hop, elle ne veut pas. Si. De toute façon, le billet de 5, il retournera dans les défis 5€. Alors,
Voilà. Alors, entre ce qui concerne mes défis, on va rester comme on est dedans. J'ai pas trop rempli cette semaine, je vous dis honnêtement. Là, j'en suis qu'à 16 euros. Mais bon, comme c'est un petit défi, il me reste encore 2 semaines. Hein. Il me reste la moitié en 2 semaines. Je pense que c'est faisable. Là, abeille épargne, j'en suis à 27 euros. Pareil, hein, il me reste 2, 4, 6, 8, 9. 9, oh pardon, je vais éternuer, je crois. Pardon, excusez-moi. Du coup, je suis à 27 euros pour celui-ci. Et bien là, du coup, on en est à 25 euros. Et pour celui-ci, alors ce que j'ai fait, j'ai rassemblé tous les 1 pour mettre ici. Et j'en suis à 14 euros pour celui-ci. Voilà. Et le reste, ça n'a pas bougé. Voilà pour les défis. Du coup, ça me fait combien en tout? Alors du coup, 16 plus 27 plus 25 plus 14. On en a 82 euros en 2 semaines. Je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà pour ça. Allez, on va faire le remplissage pour la semaine 3. Ça va, il passe très vite ce mois du Ramadan, je trouve. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que ça va vite. Bah, du coup, bah là, il n'y a toujours rien. Hein. Hop. Alors, du coup, la 3e semaine, on a 150 euros. En espérant de faire plus d'économies. J'espère, on verra. Hein. Alors, 5... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'espère faire un petit peu plus cette semaine. On verra. Dites-moi vous en commentaire si vous avez pu économiser. Dites-moi là en commentaire. J'aime bien lire. Hop. Allez, j'essaye de faire vite. Voilà, 150 euros. En hiver, comme d'habitude, on a 10 euros. Alors, pour les défis, mes défis à court terme, on m'avait demandé. Oui, j'utilise dans les enveloppes de la semaine. J'évite de toucher celles au mois. J'évite comme elles sont pour le mois. J'évite de les toucher. Mais je prends souvent dans divers et dans alimentation. Voilà, pour remplir mes défis un peu tous les jours. J'essaye de faire tous les jours. Après, il y a des jours où je n'ai pas de monnaie. Bah, j'attends les jours suivants et je mets... un peu plus le jour suivant. Mais oui, j'utilise mes enveloppes à la semaine pour les défis court terme. Je le mets un peu tous les jours. J'essaye de remplir tous les jours un petit peu. Voilà pour ça. Du coup, ben, c'est bon parce que l'école, elle n'a toujours pas besoin. Et ben voilà, j'ai fait le tour. Ça a été une vidéo assez rapide. Hein, parce que bon, il ne restait pas grand-chose. Bon, dans mes épargnes, ça n'a pas trop bougé. À part Ramadan. Mais bon, j'ai dû... il me semble que depuis le début Ramadan, j'ai usé 60 euros. J'ai pris 20 euros dans mon enveloppe à moi. J'ai pas été chez le coiffeur. J'ai fait venir quelqu'un que je connais pour me couper les cheveux. Du coup, j'ai pris 20 euros dans cette enveloppe. Voilà. Alors, du coup, bah, y a que ces deux qui ont bougé. Voilà pour ça. Bon, bah, moi, j'ai fait le tour. Voilà, c'était... Il y a eu des économies. 30 euros, c'est très bien. Je suis bien contente. C'est des économies. On va essayer de faire mieux la semaine prochaine. Je sais pas. J'ai pas besoin... J'ai pas besoin de beaucoup de choses, logiquement ça devrait le faire. Voilà. Et ben moi je vous dis à vendredi prochain pour le bilan de la semaine 3 et le remplissage pour la dernière semaine d'avril. Voilà. Et ben je vous dis ben, bon week-end, passez une joyeuse fête de Pâques. Voilà, pour ceux qui font Pâques, passez une joyeuse fête de Pâques. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.